Il y a eu un record dont personne n'a parlé pendant ce combat. Comme vous savez, ce combat-là, Ngannou versus Tyson Fury, il est passé sur une chaîne qui s'appelle DAZN. Et DAZN, ils avaient acheté les droits, mais personne n'avait d'abonnement DAZN, parce que c'est des nouveaux dans le game. Mais Telegram a cassé Internet et le nombre de viewers simultanés, regardez ça. Moi, perso, j'ai pas cet abonnement et j'ai regardé sur Telegram. Carrément, ils ont dépassé la trend Twitter du match. Telegram, ils ont dépassé la trend du match. Qui est-ce qui a regardé le match sur un lien Telegram comme ça? Regardez le nombre de viewers simultanés sur Telegram pour le match Tyson Fury versus Ngannou. Imaginez-vous, vous avez vu le nombre de viewers simultanés? C'est incroyable. Même moi, j'étais sur ce canal. Après, j'ai switché sur un autre canal où on était à peu près 60 000. C'est un truc de ouf. Vous reconnaissez ce monsieur-là? L'une des plus grandes légendes de boxe dans le monde. Monsieur, il a le même prénom que celui qui s'est battu contre Ngannou. Donc voilà, Telegram, c'est incroyable les amis. Je vous conseille de l'avoir parce que Telegram, c'est niveau liberté, il n'y a pas mieux. Voilà, je vous aurais tout dit.